Zami internaut, pays Saint-Domingue craché sous décision pays Canada prend pour aider Corpolis là côté on pral investi 20 millions de dollars pour ouvrir un bureau en République Dominicaine cap là pour viser coordonner aide internationale à bail avec police nationale d'Haïti et bureau ça a joué rôle interlocuté entre international là avec Haïti c'est ça yo te annoncé Saint-Domingue pas d'accord avec décision ça pays Canada prend pour ka ouvrir yon bureau nan pays par là qui c'est pays Saint-Domingue et bien là nous va dire pour qui ça Saint-Domingue pas d'accord avec décision ça côté Canada prend pour dire li va investir 20 millions de dollars pour ka ouvrir yon bureau nan pays Saint-Domingue pour ka aider police nationale d'Haïti. Et qui te fait nous connaître bandi exam kidnappé directeur régional Noa APN non lycée Pierre Richard Joseph. Bandi yo kidnappé nan Tosel. Ça pi grave là, bandi yo tiré youn nan chauffeur liyo et bandi criminel kidnappé yo mandé 1 million de dollars vert tan coupier poireau pour ka libérer directeur APN. Selon un pile moun ki longe doit yo tout longue yo fait nous connaître c'est groupe gang vite l'homme nan ki kidnappé négatif ki commet enlèvement ça yo arrivé prend directeur régional Noa qui c'est Pierre Richard Joseph yo à lavel jusqu'à présent quand on parle avant là directeur a toujours nommé bandi sans foi ni loi yo et yo mandé 1 million de dollars en échange libération. Comme vous bien, on sait sénateur Ricard Pierre SDP qui c'est ministre de facto planification vendredi qui se passe là toa tenant ONU. Il fait qu'on est pays a risqué pour tomber dans une guerre civile. Si international là pas pressé déployer une force robuste dans pays d'Haïti, pays ça a tombé nos kachiboumbe et même copolista pap ka camper dans sa kavini là. C'est déclaration ça qui c'est ministre planification qui c'est Ricard Pierre li fait nan ONU. Mes amis prochain du chita nous pradou qui sa bagalaye. Nous tout connaît m'devait émission sur ça côté pays Canada te annoncé y a investi 20 millions de dollars vert te couper pour haut. Yon façon pour kabay corps police nationale d'Haïti a yon coup de main yon bourade de ce fait yo te dit yo pral ouvert yon bureau même bureau se a ouvert là yo pas ouvert dans pays d'Haïti parce que dans pays d'Haïti gen trop corrupté gen trop corrompu gen trop volé gen trop moun kap détenir l'argent dans pays d'Haïti mais plutôt il décide ouvert bureau ça la caille voisin qui tout près là qui c'est en République Dominicaine. C'est ça yo t'ai annoncé. Après annonce ça yo fin fait là, yo fin dit a investi 20 millions de dollars pour ouvrir un bureau en République Dominicaine. Côté bureau ça là pour viser coordonner aide internationale à bail avec la police nationale d'Haïti. Femme ou bien depuis l'âme de fin temps de bagay ça, on dit ça son hôtelier qui j'en fait un pays ami d'Haïti, yon décidé bay Haïti yon aide et puis tout pour bureau ça pas ka retrouver dans pays d'Haïti. Ça fait ça. Parce que yon connaît pays d'Haïti son savant. Pays d'Haïti c'est gang kap dirige. T'as la konsa yon ouvert bureau, t'as la konsa pas tande, oh oui, bureau cassé, yon vole matériel yon. Même je ne connais gen paquet là. Kapé de casse voler dossier moun yo al avec yo près ça Canada dit yo pas ouvert bureau ça nan savan nan pays d'Haïti mais yo pral ouvert côté non pays qui sécurité qui c'est là en République Dominicaine autorité nan pays c'est domaine yo dit non yo pas d'accord avec ça yo dit non parce que si wap pèdé yon pays. Pour qui ça? C'est la caille pam nan ouvre bureau. Tandis que m'bagen ken an yen a wè
avec aide ça on va le bail là. Peut-être ça, yo refusé demande ça qui ont fait là. Côté yo dit, Canada dit, li pral ouvert yon bureau en République Dominicaine pour ka aider corps police nationale d'Haïti. Yo dit non à cause patrimoine pays a la loi pa bay autorisation pour faire négatif pour prendre une décision comme ça. C'est ça qu'on fait nous connaît. Et m'd'accord avec eux parce que si dans aide pays d'Haïti, c'est dans pays d'Haïti même pour ouvrir bureau. On pas supposé ouvrir bureau en l'autre côté oui et bureau ça là une façon pour cacher rôle interlocuteur entre international là avec Haïti. Pour qui ça on pas ouvrir bureau même exactement dans pays d'Haïti comme c'est Canada qui a fait ou ka ouvrir bureau ambassade Canada. Oui, ou ka ouvrir bureau là. Quoi vous allez là en République Dominicaine ou ouvrir bureau. Même qu'on connaît dans pays d'Haïti, toute autorité c'est voler qui oui, OK, yo qui voler avec. Yo voler 3 jours avant chaque. Et bien là quand pays Saint-Domingue pas d'accord pour Canada ouvrir bureau ça la caille. Yo boudé demande ça, yo campé en quoi? Yo dit non. Canada pas ka ouvrir bureau ça la caille pour aider pays d'Haïti avec corps police là. Mes amis, ça sont autres qui lié là. Yo continue à cracher sur nous. Parce que yo pays tant qu'au Haïti tellement que corrupte dans pays là, même Canada va faire nous confiance avec 20 millions de dollars ça pour qu'a ouvert un bureau dans pays d'Haïti. Yo plutôt à ouvert bureau ça en République Dominicaine. Mais kounya République Dominicaine pas d'accord. Yo boudé, yo estomac, yo fâché, koukoun, yo dit non, il va bay autorisation pour ouvrir bureau ça non pays pa yo qui c'est République Dominicaine. Bureau ça pas ka ouvert la caille Saint-Domingue parce que ministre relations extérieures avec porte-parole gouvernement yo campé en quoi? Yo dit pour des raisons historiques, yo pas d'accord bureau ça ouvert la caille yo pour Canada ou bien Ottawa et de corps police nationale d'Haïti parce que pour raison patrimoine, pour raison historique, bureau ça pas ka ouvert. Ça son calotte marasa, n'a continuer pour parce que pays nous son bon désalode, pays pa nous Haïti son bon corrupte, pays pa nous son bon gang k'ap dirige. Mes amis là, bureau ça il t'a bien utile et bureau ça yo t'a ouvert pour ka combattre tout gang yo dans pays d'Haïti. Kounya là, si c'est même pas d'accord pour bureau ça ouvert la caille. Que on prend décision là ouvert bureau en ambassade Canada. C'est une clé sous ça oui. Ouvert ambassade Canada, nous là ça n'a plus contrôle tout bagaille yo. Comme là il va pas détourner comme ça la là tout il y a jeu comme là bien. Mes amis, femmes ou bien dans dossier kidnapping dans pays d'Haïti et kidnapping nan, après tourner timidement parce que bois calé là nous faut camper sous lit. Immédiatement nous campé sur Bakalea, c'est un bandi yo pa gen kòb pour acheter balle, y a kidnappé moun pa pil pa makon. Et fòm zo bien directeur APN nan qui c'est directeur régional nord qui c'est Pierre Richard Joseph. C'est mis sur l'angle sur écran là. Bandi criminel se frani loi arrivé kidnappé Pierre Richard Joseph nan zone Tosel. Et chauffeur monsieur arrivé prend balle li mouri parce que li t'a fait résistance pour bandi yo pas prend Pierre Richard Joseph mais c'est bien malheureusement bandi yo ouvert balle et puis tout chauffeur arrivé victime li fait vrai pour pays sans chapeau et puis tout bandi yo aller avec Pierre Richard Joseph et ravisseur yo exiger yo somme de 1 million de dollars vek te coupier poireau pour ka libérer directeur régional Noa qui c'est Pierre Richard Joseph. Ancien sénateur Ricard Pierre SDP qui c'est ministre de facto planification, ma konn ki sa mis a planifié qui dans gouvernement PM Ariel Henry c'est grâce avec lui-même qui fait que Boutou, ancien avocat peuple là qui c'est maître André Michel
a sous ses os. C'est grâce avec lui-même tout qui fait que maître André Michel Jozala pour un militant t'arrive et joindre maître André Michel pour parler avec elle, faut jambé plaisir sécurité pour la joindre maître André Michel ancien avocat peuple là. Même Jean maître André Michel te qu'on dit camper des barricades. Barricade c'est avenir Jozala. Nous est que barricade n'a pas jamais été avenir tout bon vrai, c'est de tout abdé sur nous, c'est écrasé, t'as écrasé pays. Et Ricard Pierre fait qu'on est nan yon la parole li t'a pran vendredi tout passé là nan ONU, li dit pays a risqué pour tomber nan guerre civile si international pas pressé déployer yon force robuste. Ça veut dire c'est aide la mande là, oui. La mande aide militaire. Li dit si international là pas pressé pour déployer yon force robuste, pays d'Haïti risque pour tomber dans une guerre civile. Est-ce que c'est bois calé a nek sa yo pe? Parce que sous une guerre civile, c'est moun kap touye moun. Guerre civile, c'est chez manger chez. Parce que bon bois calé là, gien pile nek ki pa ngwa calé parce que peuple a décidé là pour tuer tout bandi yo et il connaît bandi sa yo gien met et met bandi sa yo c'est dans gouvernement ke oyé, c'est dans secteur privé a ke oyé. Kounya la ou tande oh oui pa gien guerre civile. Mba écoute guerre civile pour aller là parce que c'est peuple là qui a déraciné bandi et peuple là pa tué policier. Si peuple là t'a tué policier, ndé ka di là, t'a gon guerre civile. Mais peuple là, y a tué nek ki on la loi, peuple là a tué yon danger social. Peuple a débarrassé société a de yon individu de yon etui mbawe kote guerre civile a pour aller mbawe a guerre civile moi même c'est bois calé qui te bois calé a fait route li tout longue. Mes amis, cette façon de gagner pour jodi a pas c'est like nous abonner peser sur notification pour les nouvelles vidéo pour pas rater les cap moi malé n'a croisé dans une prochaine émission pour qu'a venir traiter un autre dossier. Bon pas arrêter contenter me poser question sur modèle communication BRH là. Ben moi, braquer projecteur sous Banque Centrale, sous Banque de la République d'Haïti. Effectivement, les moins parler avec des sources concordantes proches de la BRH, les moins parler avec des sources généralement bien informées, moi, je me rends compte que Guerrier du Seul, dossier ça, son dossier qui est sensible. Dossier ça, son dossier qui est fragile. Et c'est sensibilité ou bien fragilité ça, yo, qui fait que un paquet de monde qui réticent soit pour commenter, pour analyser ou bien pour communiquer sur lui. Maintenant, je prends un risque. Je ne prends pas un risque là parce que maîtriser ça. Même je prends un risque là parce que comme journaliste, je parle avec sous moi ou bien moi. Yo. Comme je fais sous moi ou bien moi, confiance. Je suis venu là pour me dire auditoire là. Mais qui ça me joigne pour yo. Maintenant, fon prudent. Ça pa vle di que ça me bral di yo là c'est des paroles l'évangile automatiquement moun fin tande ou di amen son journaliste k'ap parler qui contacté sous li et sous li dit mais ça bagay la ye et moi me bral di ça bagay la ye selon sous moi et me bien dit c'est pas sous piante pour bagay moi rivé kembe guerrier par rapport à ça rivé a moi apprendre que système informatique BRH là li victime d'un cyber attaque mais et c'est là me voulais porter petite précision processus là pas abouti mais qui ça me voulais expliquer par la fac on est gien droit attaquer mais le grand objectif par exemple c'est vinn pour en chavanna à la voie. Et puis, assiéger, souvler, espace côté. Mais si nous arrivons à attaquer ou repousser le fat, attaque la pas réussi, attaque la pas fini, poser sur la pas bouclé. Je ne comprends pas. Donc, BRH, selon information sous ce moyen, alerté sous attaque là. Étant donné que tout le monde qui a informatique comme ça, des bois objets site, des objets site, que ce soit ici ou l'autre bord de l'eau, toujours gagner des alertes pour mon abdou que met tel groupe tel mon pirate mon hacker qui a tenté prendre contrôle là
qui veut dire que vous-même, vous obligez de prendre les dispositions nécessaires ou bien appropriées. Mais il arrive que au départ, à l'aide que tu as venu, mais BRH t'es pensé le contrôle de la situation, jusqu'à leur décider d'y faire face à la difficulté technique, et vous venez rendre compte que l'aide là, plus sérieux que ça. Eh bien, face à cette situation, selon source, BRH t'a gagné deux choix. Premier choix, soit il te reprendre le contrôle système ni et puis renforcer la sécurité. Deuxième choix, soit il juste mettre le système ça de côté automatiquement, down les ouvrir et puis élaborer un autre système parallèle. Et selon information que me disposer, la banque des banques, la banque centrale, a opté pour le deuxième choix, le second choix, à savoir Daron System Yoanet. Parce que pour moun qui fait informatique, yo gon niveau attaque la qui est arrivé, gon niveau moun nan getan et contrôleur. Donc sou pral nan bata avec li pour être capable récupérer sac nan men lan. Donc ça qui arrivé tout li gagnon. Parce que par contre sac nan men. Ou par contre moyen li gagnon. Et l'on parle de hacker international yo, on parle de moun qui très doué, de moun qui très intelligent. Étant donné que BIH dispose d'un système d'intelligence artificielle qui permet que l'alerte même est capable de déclencher automatiquement, donc selon ça, donc yo vinn estimer que attaque ça sont attaque très sérieux et du coup yo décidé down système. Maintenant, l'aime poser sous la question pour me dire est-ce que gen cob vrai qui rive disparaître. Donc vous êtes clair, dans ce sens que hacker ou getan frappé. Sous cela dit, jusqu'à le la paléa, il n'est pas au courant de bail comme ça. Mais intelligent qu'on y est fat, ou t'as qu'à poser question tout, un système, ou bien une information qui est sensible comme ça, est-ce que si t'es un cop, donc t'es disparu, t'es d'accord, il vient de dire ça comme ça tout. C'est question à poser. Hein? Est-ce que si effectivement hacker ou dérivé pour un paquet de cop, ou bien t'as un paquet de cop qui t'es disparaît tout système là ou bien transaction était en fait était effective souvle est-ce que yo t'a vinn là ou t'a dit nous oui comme la disparaît et combien comme lié la trier par contre vous comprenez c'est ça fait au départ nous parler de un dossier sensible et fragile sous cela dit nous jusqu'à le la parler avec nous pas gain bagaille comme attaque la pas arrivé réussir pas abouti mais son attaque très sérieuse à l'aide que recevoir très sérieux. Si bien que, amis auditeurs, jeudi dernier, et ça c'est information, gagnait le premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, qui rapide vite descend BRH. Gagnait des représentants de gros ambassades dans le pays. Il n'a pas parlé de gros ambassades, ou pas capable ou ambassade dans les États-Unis d'Amérique, qui débarquait à l'embarras dans BRH. Ministre de on pas quel gros chabrak ministre finance là. Son façon pour me dire que bagay la préoccupé même moun ki nan pi haut niveau dans l'état ou bien encore diplomatique là. Parce que on parle quand même t'as bien d'un cyberattaque sous banque centrale. Sous la banque des banques, la banque de la République d'Haïti. Parce que moun oblige de descendre pour regarder sa bagay là. Parce que quand pile pas ou ka parler, est-ce que c'est pas on bagay qui fait à l'interne, est-ce que c'est pas on bagay qui a fait là pour faciliter des nèg qui pas ka fait transaction normal. Ou pas on bagay. Tout pas ou a parler. Donc tout chef obligé de descendre là-bas quand pile pas ou qui parler sur internet là. Yo descend là-bas puis regarder sa bagay là. Bien que non premier temps, yo te dit me gagne des autorités judiciaires qui t'a là-bas, moi parler avec un source proche parquet pour Port-au-Prince hier soir de très tard qui dit me parquet pas au courant et pas qu'il pas formé sur ça même parler est-ce que tu es un juge de paix il dit on en principe il doit de contacter pour suivre ça ce qui n'a pas été fait mais il y a de l'autre source qui dit tu es un juge de paix pour le faire constat et que n'a décidé down système là donc down système là et c'est lui même qui provoquer tout l'autre problème qui vient là ou qui vient faire que gon série de bail m'était dit à l'heure qui était qu'on fait avant qui pas qu'a fait qu'on y a et on là c'est que dans moment on a parlé là banque haïtienne yo yo pas connecté entre yo alors pour ba me vle moun yo connaît c'est pas banque yo qui gen problème nan l'aime dit banque yo c'est pas banque yo de façon particulière par exemple c'est BNC qui gen problème nan c'est
Unibank, CCG Bank, CBUIH, l'autre banque encore ça me pas citer yo. Hein, c'est pas Youb qui problème là. D'ailleurs, si vous gardez bien, BUIH oui, sous gardez bien la communiquer, toujours dit ça. Yo dou la Banque de la République d'Haïti informe yo tel bagay, dit yo prend telle disposition et dit yo a fait diligence pour résoudre problème dis pour résoudre problème là. Donc la preuve c'est que c'est pas Youb qui problème là. Donc c'est banque et qui c'est organe régulateur là. C'est tellement vrai, soit les noms banque là on chèque, depuis ces chèques banque là lié même suivi à fait normalement. Okay. Ça veut dire c'est interconnexion qui pas gagné. Ça veut dire BUIH pas connecté à Unibank, Unibank pas connecté à Sojibank et la trier. Et on t'a posé mon parle avec une question ça, est-ce que transfert sur étranger toujours effectif? Parce que des bon rumeur auparavant qui vient faire quoi que si me besoin font transfert sur l'autre bord de l'eau par exemple, si m'a traité avec une banque étrangère, c'est pas possible. Donc jusqu'à hier soir mon yo dit non, ça pas un problème. Ouais, ouais. Parce que c'est un système qui est mis en place par les Américains quoi que les SWIFT qui gère question ça, qui vient faire que une banque Haïti capable deal avec une banque l'autre bord très facilement, sauf que les banques haïtiennes eux-mêmes ils pas qu'à connecter entre eux. Mais mon petit bémol mon a metté pour moi, il dit si coopérative yo eux-mêmes yo besoin de traiter avec une banque étrangère, donc yo pral obligé fond chèque pour passer par banque haïtienne comme intermédiaire, et comme qu'on y a pas gain connexion entre yo, donc automatiquement coopérative yo vienne victime de ça tout, parce que coopérative là t'a pas obligé les mêmes passer par une banque locale comme intermédiaire. Ça c'est en quelque sorte des éléments de réponse que nous joignons à un ensemble de questions qui t'a posé pour demander notamment qui ça qui a passé au niveau de BRH. Le point résolu pour l'autre BRH pas communiqué. Donc moi-même ça c'est pas des informations officielles. Et me voulais préciser ça. C'est pas des informations officielles, c'est pas parole l'évangile non plus. Même parce que c'était important pour nous dire la République ça. Cependant, je ne veux pas minimiser ça autour parce qu'il y a des conséquences. Par exemple, je parle à l'économiste, il explique que ça est capable d'impacter l'économie. Pas oublier dans les affaires de bataille ou bien lutte et contre le blanchiment des avoirs pour nous finir guerrier, il a priorisé les transactions en ligne. Donc, ça veut dire si nous avons un acheté dans la main, on va parler d'entrepreneur, nous avons un fournisseur d'acheter dans la main là. M'te vle payer ou bien via un autre compte que le gagne dans l'autre banque, donc il vient pas possible et ça capable favoriser blanchiment tout comme si des nèg qui gagne doit prendre ça comme prétexte qui vient avec sac l'argent pour le payer en série de bagaille qui dit bon comme moi gagne comme là là et que pas qu'à faire virement pour vous ben prend les vient garder la paye au cash, vous comprenez? Et dès pour arriver dans situation ça s'il perdurer ou capable joindre des instances internationales qui pas traité avec Haïti. Parce que Haïti sont en liste grise là, la question de Gafia, et dans quatre pays qui décident de dire qu'il y a bataille contre notamment le blanchiment des avoirs. Donc ça qui a passé là, s'il dure plus longtemps, il est capable de gagner des conséquences relativement lourdes et sur l'économie du pays, notamment sur la question de l'inflation et la trier. Ok? Et l'autre bagarre encore, économiste, je dis que ce n'est pas la première fois. Gagner des banques dans le système qui a subi attaque. Je ne vais pas citer nos banques là pour ne pas fragiliser les banques là, mais zone 2020-2021, je dis que banque de la place qui a subi une attaque, une cyberattaque, qui a fait que le prend de l'autre disposition, investi l'argent pour être capable de sécuriser le système par là. L'aime vient tomber en fin de journée, dans vendredi 16, sous deux communiqués. De deux banques différentes, Sojibank, Unibank, et puis me dit peut-être moins, ah, bon problème, guerrier. Et me dit problème n'a semblé plus sérieux que moi-même, moi, t'ai imaginé. Par exemple, moi, ouais, moi, je tombe sous les fin journée 16 là, mais Unibank fait tweet sous communiqué depuis midi, la même journée 16 là, guerrier. Côté Unibank dit, et non, Sojibank fait tout par là depuis midi. Côté Sojibank dit, Sojibank a informé ou Banque République d'Haïti BRH mettait en place un système pour traiter chèque à la main dans l'idée pour permettre transaction de continuer pendant y a travail pour résoudre problème technique y a rencontré. D'après instruction BRH, à partir jeudi vendredi 16 juin jusqu'à ce que situation a changé, délai pour traiter dépôt chèque c'est 5 jours ouvrables pour zone métropolitaine, 10 jours ouvrables pour chaque ou bien pour chèque plutôt dans ville provinciale. Merci patati patata pour compréhension. Alors que note Unibank qui lui-même
posté dans 6h dans même journée 16 là, parti comme ça, c'est en français. La Unibank avise sa clientèle que suite aux difficultés techniques confrontées par la Banque de la République d'Haïti, BRH, un processus de compensation manuelle des chèques négociés a été mis en place à compter de ce jour afin de garantir la continuité de ce service. Selon les directives de la BRH, le délai de compensation des chèques négociés à partir du 16 juin 2023 sera zone métropolitaine 5 jours ouvrables, zone régionale 10 jours ouvrables. La Unibank, patati patata, et la Trier rappellent que le service de SPI demeure indisponible. En outre, les demandes de SPI reçues entre le 13 et le 15 juin 2023 seront renversées aux comptes respectifs des clients. L'enfin lit de communiquer de deux banques sérieux, nous dit tête moins guerrier gon bagay qui pas clé. Nous dit tête moins gon bagay wrong qui a passé. Faut mal chercher qu'on est. Et puis moins rentré dans le répertoire moins m'identifier quelques économistes que m'habitue pas la veille pour me demander qui ça connaît sous bagay ça. Effectivement, l'aime fin parler avec zami économistes moins yo. Moi, je rends moins compte de trois gros problèmes majeurs. Mais malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, la population n'est pas assez édifiée sur eux. Par exemple, il y a un premier problème, moi, je rends moins compte qui gagne, pendant toute parole, ça va parler là. Si Johnny Ferdinand achète un bagage dans mes guerriers du seul, et puis je gagne comme moi, dans une banque X, guerrier Dieu seul, gagne cobli dans une banque Y. Et puis, tu as décidé de payer guerrier Dieu seul, je dois dire tête moins, par rapport à risque qui gagne dans le prendre l'argent, pour m'absorber si l'argent pile. Vous comprenez? Mal dans la banque là, je fais guerrier Dieu seul, bam compte lui. Et puis, je dis, banque moyen, font un virement pour moi sur compte guerrier Dieu seul là. Qui lui-même dans l'autre banque. Les SAI, ou faux opération, qu'il y a la question SPIA, qui c'est service de paiement interbancaire haïtien, il faut payer un frais pour lui et dans l'espace 24 heures, Kobla aller sous compte guerrier sans problème. Et bien, depuis 13 juin, pour arriver jusqu'à hier soir moi-même, selon ça, je comme information, transaction ça pas possible encore. Ça veut dire qui ça? Banque haïtienne, dans le moment où on n'a pas là, il pas connecté entre eux encore. Par contre, si vous comprenez bien. Deuxième problème, non, lié à ça, Banque Centrale Télé dans toute l'IA, PRONAP. PRONAP, c'est Processus National de Paiement. Qui s'allie selon l'explication de Banque Guerrier? C'est un mécanisme qui est mis en place qui permet que, sous une carte de débit ou de crédit, on est capable d'utiliser dans n'importe ATM. Guerrier. Donc, dans le moment où on a parlé là, question ATM là, il n'est pas possible, il n'est pas fonctionnel. Troisième problème, je viens de qui gagnait depuis le 13 jusqu'à hier soir, du très tard, pour que ça me prudence, ça arrive dans le temps là, nous là, ou bien matin, on n'a pas les problèmes résolus. Oui. Mais jusqu'à hier soir, du très tard, c'est ça, mon yoré, compensation, chèque la guerrier. Par exemple, si guerrier lui-même dans la banque Y, il a un chèque. Et puis moi-même, dans la banque X, je suis allé à chaque guerrier, je me dis que je vais déposer l'argent sur le compte. Donc, quand on a un mécanisme virtuel qui met en place, qui permet que, d'un côté, virtuellement, banque guerrier à banque PAMNA, ensemble avec l'organe régulateur qui est BRH, ils rencontrent. Donc, on se clique, ils prennent le chèque là, ils scannent, et puis ils entrent dans la chambre de compensation, ils analysent pour voir est-ce que effectivement, c'est guerrier qui va chèque ça, est-ce que nous le bien écrit, l'agent dit le gagne dans banque pas là, est-ce que l'agent disponible et puis autorisé banque pas nan lui-même recevoir l'agent ça. Et bien dans moment n'a pas là tout ça va qu'a fait. C'est ça que fait Unibank avec Société Bank sorti communiquer ça pour yo dire ça en guise de rappel que BRH prend disposition pour faire compensation ça de manière manuelle. Ça veut dire qui ça guerrier. Si chèque ça, opération chèque ça, je ne t'ai pas la voilà là, il était qu'à faire non badge ou bien non journée, eh bien, quand il y a la sous dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, la prend 5 jours. Ouvrable.
Bon, lundi, voilà, je suppose, il dit samedi, dimanche, pas la donne. C'est pas vrai, lundi, jusqu'à vendredi, et puis recommencer lundi encore. Donc, là, après 5 jours ouvrables, sous la zone métropolitaine, Port-au-Prince. Mais sous la ville de province, il dit, soit elle fait opération ça, là, pour 10 jours. Pour 10 jours. Mais, en font un petit là, guerrier, il est capable pour plus. Tôt. Parce qu'il y a deux villes qui sont accessibles par son lot. Je dis à qui gagne au moins un aérogare, à l'exception de Cap-Haïtien qui est même un aéroport international. Mais pour Jérémy, pour Okaï, pour Jacques Mel, ça, je vais le faire comme considération là. Il n'y a pas de problème. Pour Anamet, par exemple, qui est tout près Saint-Domingue, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas d'autres villes de province dans le pays. Il y a un problème majeur parce que je dis à l'accès. Ou tu pas trop facile, non? Soit parce que bandit achète une série de territoires à l'agent qui peut mettre couloir normal yo, ou pas qu'à faire autre trajet normal yo. Ou bien, ou tu es tellement long, ou obligé de prendre des jours et des jours pour envoyer des courriers. Ça veut dire que tu as un traitement chèque puisque c'est à la main, donc tu es obligé de prendre yo, pour un messager. Ça veut dire que ça. Si en province ou si en province ou il a fait le par courriel, c'est-à-dire un message qu'il prend chaque là chaque semaine supposé et puis qu'il voye dans centrale banque qui concerne et il a analysé après ça pour autoriser paiement. Avant ça était fait à travers un clic. Par contre ce qu'on veut dire. Donc il dit au conseil dans communiqué yo, si c'est en province transaction ça fait la prend 10 jours ouvrable. Si c'est dans région métropolitaine là la prend 5 jours. Et ça, il faut préciser, son bail qui était fait avant guerrier. Mais là, quand il y a la numérique qui vient dans le là, l'informatique qui vient dans le là, donc il vient lier toute banque, bien entendu, sous l'obédience banque centrale, qui lui-même a régulé là, qui lui-même a contrôlé là, et puis qui vient faire ça, qui vient faire que ça était fait à travers un clic. Mais je dis à guerrier, par rapport à problème ça, qui gagne que banque centrale et les difficultés techniques là, ça n'est pas possible encore. Ok, il n'est pas possible encore. Mais maintenant, moi-même, j'ai un problème avec Jean BRH communiquer ce problème. Ouais. Parce que, ou quand même, à parler là de banque centrale, je ne parle pas de banque en particulier. Alors, là, je dis ça, c'est pas parce que je voulais minimiser ça que tu as gagné. Quel que soit le banque qui a eu un problème dans l'étape problématique, oui. Mais moi-même, je voulais expliquer l'importance de banque centrale. Donc, qui a toute banque qui est en balle. Donc, là, il y a des informations et qui fausses qui véhiculent autour de sa BRH et les difficultés techniques, ils ne viennent pas rassurant pour les clients. Et quel que soit le banque client, ou Abdi Lave, que le client BRH, et pas BRH, non, BNC, pardon, que le client Unibank, que le client Sojibank, que le client BUH, ou bien des potes de l'autre banque, automatiquement, ils ne sont pas clairs, ils disent ça qu'a dit comme ça. À part, nous ne comprenons pas ce qui a passé. Et ça, il faut regarder les gens qui disent n'importe quoi sur la question. La nature a horreur du vide guerrier. Sous place pour communiquer, et pour bien communiquer ou pas communiquer, vous avez communiqué en place. Ou. Et en pile, vous avez communiqué en place, ou pas forcément communiquer même avant, ou bien aussi bien que vous. Et les rumeurs a persisté guerrier, vous avez l'impression que vous avez une information tout carrément. Ou même vous avez peut-être capacité, les balles apparaissent devant vous pour faire discernement. Reprendre pour essayer et faire différence là. Mais combien de monde qui dans arrière pays qui gagne capacité ça les balles viennent dans oreilles ils prennent pour salaire. C'est ça que fait moi même devine poser question sous Jean BRH à gérer ça sous Jean communiquer sous ça parce que si il y a un problème et que c'est banque centrale qui en cause dans tout pays sérieux c'est presque chaque jour ou te cas avec communiquer des conférences cap fait, gré point de presse cap bay pour 10 populations, pour 10 citoyens. Mais qui ça problème nan yé, mais nan ki niveau nou yé nan résolution, mais qui le tout bagap, ok. M'pa quoi c'est juste rete di BRH a fait face à des difficultés techniques qui empêchent le fournir tel service, et puis ça s'arrête là. Ou pense c'est tout le monde qui connaît qui ça qui lié à question spi ou parle là. Ou pense tout le monde qui te connaît ça n'est le pronap, ça n'est le compensation chèque, c'est langage système nan. Vous comprenez? Moi, au départ, pas de spiam de plus ou moins une idée. Je ne connais rien dans ça, non? Parce que moi-même, je ne suis pas économiste. Ce n'est pas domaine, moi. Ça fait moi, je suis des économistes. Moi, je suis de l'autre monde qui est dans le système. Expliquez-moi ça, là. Ok.
peut-être que je vais faire auditoire là où on lumière. Mais l'information arrive sous citoyen lambda lui-même, qui n'a pas la même capacité avec comme journaliste, qui n'a pas le même contact avec lui. Donc il perd du là. Si ça te fait un paquet de monde qui a véhiculé un ensemble de bagages sur Internet là, qui a dit combien l'argent disparaît, BRH, BRH 10, BRH date, ou qui a toujours eu le problème de ça. Mais que BRH lui-même qui vous mettez les points sur les i. Qui vous dit population, qui vous dit citoyen, et ou mettre tête frais, mais qui ça va galayer, nous gué contrôle la situation, et d'ici tel le, mais qui problème qui a résolu. Par contre, vous comprenez. Mais si vous êtes, ou êtes, mettez tout le monde sous soif, donc faites-moi confiance, gué bagay ou a perdu contrôle li. Et c'est là que ça va le tomber dans, ou y'a au lieu pour communiquer, en agant, qu'on y'a l'obligé de communiquer, qu'on y'a la pour démentir.